citoyens, compagnons, camarades. Depuis plus de 4 mois, nous sommes mobilisés pour le retrait de la loi Sécurité globale et la mise en place d'un dispositif autoritaire, liberticide, autorisant le contrôle de la population dont une partie est d'emblée considérée comme potentiellement délinquante, contrôle des associations qui seraient suspectes, des syndicats qui seraient déviants, des manifestants qui seraient coupables d'un délit d'opinion, grâce au maintien de l'état d'urgence permanent et à l'opportunité de légiférer par ordonnances et décrets portant ainsi gravement atteinte à l'état de droit. Ainsi, la publication du décret du 2 décembre 2020 modifie les dispositions du Code de la sécurité intérieure. Oui, le président Macron est en guerre contre le virus, contre les mensonges des masques, des blouses, des respirateurs, du manque de lits des hôpitaux publics, des tests, contre l'insuffisance des vaccins, contre les déclarations multiples et contradictoires du ministre en charge de la Santé. Non, les faits démontrent que le président Macron utilise largement l'état d'urgence sanitaire pour restreindre les libertés fondamentales gagnées suite au combat qui aboutirent aux lois de 1884 pour les syndicats, celles de 1901 pour les droits des associations et celles de 1905 pour la défense de la laïcité et la neutralité de l'État. Mais, fait nouveau, il instaure le délit d'intention. Aujourd'hui, faut-il s'étonner de constater que, du maire de Béziers jusqu'à celui de Montpellier, largement félicité par la presse d'extrême droite pour ses initiatives, sa charte, sa remise en cause du droit de grève des fonctionnaires territoriaux, les réalités en témoignent. Tous s'accordent pour défier la population, tenter de la diviser, de la contrôler, de la ficher, de lui dénier le droit de s'exprimer, de se réunir, de circuler, de manifester, d'avoir une opinion et de la défendre. Les tentatives autoritaires ne sont pas nouvelles sous la Ve République. Cependant, le décret du 2 décembre 2020 autorise la police à recueillir, conserver et analyser des données intéressant la sûreté de l'État et révélant des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ainsi, l'arbitraire est permis. Les personnes concernées ne pouvant disposer du droit d'opposition prévu par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés. Cette tentative de contraindre les droits et libertés sous une chape de plomb administrative et policière, rappelant des pratiques d'un autre temps, d'un autre régime, sans doute rêvé par ceux qui dirigent le pays, ne peut faire oublier les licenciements, l'abandon des jeunes, des étudiants, des vieux, la destruction des droits des salariés. C'est pourquoi une mobilisation générale s'impose pour le retrait des lois liberticides et du décret du 2 décembre 2020. Ne laissons pas l'autoritarisme gagner, ni Dieu ni maître, et vive la sociale. Je vous remercie. Bravo.